وقال ربكم ادعوني استجب لكم. Assalamu alaikum, bienvenue dans Invocation coranique. Aujourd'hui, j'ai souhaité partager un dua un peu spécial avec vous. C'est le dua que fait Sayyidina Nuh lorsque il est à bout de souffle et qu'il n'en peut plus. Et subhanallah, chacun d'entre nous, on vit parfois au quotidien des situations telles que, eh bien, on a tout essayé, mais on n'y arrive pas. Il y en a certains qui vont monter des projets, mais qui vont essuyer échec sur échec. Ils ont essayé toutes les techniques, toutes les possibilités, ont demandé des fonds à droite, à gauche, ont monté les meilleures équipes, mais ça ne marche pas. Certains vont chercher du travail, par exemple, ils vont faire de super CV, ils vont les envoyer à des centaines d'entreprises, faire des dizaines d'entretiens, mais ça ne marche pas. D'autres vont peut-être être malades, aller voir des spécialistes et des spécialistes, des dizaines de spécialistes, tenter tous les remèdes du monde, tous les médicaments du monde, mais ça ne marche pas. Et il nous arrive parfois des moments dans notre vie où on a l'impression que j'ai fait tout ce que je pouvais, que j'y arrive plus, que je ne vois pas d'autres issues, que je ne vois rien d'autre de plus que je pourrais faire pour y arriver. J'ai vraiment l'impression d'être à bout de souffle, d'être vaincu et de ne pas savoir quoi faire pour aller de l'avant. Et Sayyidina Nuh, eh bien, il vit cette situation. Sayyidina Nuh est envoyé à son peuple et il leur fait de la da'wa, il les appelle à Dieu pendant des centaines et des centaines d'années. Et lorsqu'on lit Surat Nuh, eh bien, on voit qu'il a tenté toutes les techniques avec eux. Il a tenté toutes les approches. Il a tenté tous les moyens d'essayer de les raisonner, de les appeler à Allah, ne serait-ce qu'une personne. Il a même tout essayé avec son propre fils. Son propre fils lui-même refuse totalement de l'écouter. Donc Sayyidina Nuh arrive à cette situation où, subhanallah, il a tout tenté pendant 950 ans et il n'y a aucun résultat. Et là, il est totalement à bout de souffle. Et il fait ce dua que Allah subhanahu wa ta'ala nous relate dans Surat Al-Qamar. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِيرٌ. Subhanallah. Sayyidina Nuh, dans cette grande détresse, dans le fait qu'il se sent incapable de faire quoi que ce soit de plus, il a tout essayé, et bien fait cette invocation où il parle à Allah. Et c'est ça qu'on doit apprendre nous aussi, à chaque fois qu'on fait des invocations, c'est d'avoir un cri du cœur, de parler à Allah avec nos cœurs. Et il dit: Ya Allah, inni maghloub. Je suis vaincu. Je suis vaincu. J'ai tout essayé. J'ai tout fait. J'ai tout tenté avec ces gens-là. Mais là, aujourd'hui, je m'avoue vaincu. Je m'avoue vaincu. Je sais que j'ai perdu. Je sais que je n'ai pas réussi. Je n'ai pas eu de résultat positif dans tout ce que j'ai entrepris. Je suis vaincu, ya Allah. Et nous aussi, on peut lui parler et lui raconter nos détresses. On peut lui dire: ya Allah, j'ai tenté des dizaines et des dizaines de fois de trouver du travail, mais ya Allah, je n'y arrive pas. Ya Allah, j'ai tenté tous les médecins du monde, mais je n'y arrive pas. Ya Allah, j'ai tenté de multiples fois de redresser ce projet, mais je n'y arrive pas. Ya Allah, dans ma famille, dans mon couple, avec mes enfants, j'ai tenté tout ce qui était possible, mais je n'y arrive pas. Ya Allah, je n'y arrive pas. J'ai tout essayé. Je suis vaincu. Je m'avoue vaincu, ya Allah. C'est ce qu'il dit à son Seigneur. Il lui dit: Ya Allah, inni maghloub. Je suis vaincu. Et là arrive la deuxième partie du dua. La deuxième partie du dua, eh bien, elle nous rappelle déjà la puissance de l'invocation en islam. C'est que même lorsque vous avez tout essayé, même lorsque vous avez tout tenté, même lorsque vous êtes à bout de souffle, même lorsqu'il n'y a plus aucune solution humainement imaginable, eh bien il reste le miracle divin. Il reste ce que Allah subhanahu wa ta'ala est capable de faire et qui dépasse de loin l'entendement de toute personne. Et c'est pour ça qu'il lève ses mains au ciel, qu'il raconte à Allah sa détresse et le fait qu'il est vaincu, qu'il a tout fait à son niveau. Mais ce n'est pas pour autant qu'il désespère qu'il puisse y avoir une issue. Il désespère de lui-même, il sait que lui-même ne peut plus rien faire. Mais il sait que Allah peut tout. Alors il dit:
Fantasir. Alors maintenant, Ya Allah, maintenant que moi j'ai tout donné et que je ne peux plus rien faire, que je suis vaincu, je t'appelle au secours. Ya Allah, secours-moi. Ya Allah, viens-moi en aide. Ya Allah, fais qu'il y ait un miracle qui nous sorte de cette situation. Et ça, c'est la deuxième partie du doua que chacun d'entre nous, on doit garder en tête. Parce que lorsque on commence à désespérer, eh bien, vient le rappel d'Allah qui nous dit « Ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Ne désespérez jamais de la capacité qu'Allah a à vous sortir de telle ou de telle situation. » Oui, vous êtes limité. Oui, vous êtes des êtres humains. Oui, vous ne pouvez pas tout résoudre parce que vous êtes un être humain. Mais Allah, lui, est le créateur des cieux et de la terre. Allah, lui, n'a aucune limite. Allah, lui, peut faire ce qu'il souhaite. Il dit à une chose « Kun fayakun ». Allah décrète ce qu'il veut dans sa création. Alors levez les mains au ciel, comme Sayyidina Nuh, et dites-lui, Ya Allah, j'ai fait ma part, j'ai fait tout ce que je pouvais, et oui, je m'avoue vaincu. Mais toi, j'ai confiance en toi, je sais que toi, tu peux tout. Alors Ya Allah, viens-moi en aide. Secours-moi, Ya Allah. Tu es ma bouée de sauvetage, Ya Allah. Je suis en train de me noyer, et tu es ma bouée de sauvetage. Je sais que toi, tu peux me sauver. Qui que ce soit d'autre sur terre ne peut plus rien pour moi. Mais toi, Ya Allah, tu es capable de tout. Et subhanallah, c'est grâce à cette invocation que Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, va sauver Sayyidina Nuh et le sortir de cette situation et lui donner ce qu'il souhaite juste avec une invocation. Une invocation où il s'est avoué vaincu, où il a remis sa pleine confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, où il a demandé sincèrement à Allah de le secourir parce qu'il n'avait plus d'autres issues. Donc si vous êtes dans cette situation, et je sais que certains d'entre nous, puisse Allah les aider, sont dans cette situation. Certains d'entre nous ont beaucoup d'échecs dans leur vie, beaucoup d'épreuves dans leur vie, beaucoup de difficultés. Certains d'entre nous ont tout tenté mais n'y arrivent pas. Eh bien si vous êtes dans cette situation, parlez à Allah. Dites-lui que vous avez tout fait. Dites-lui que vous vous sentez faible et vaincu, et dites-lui qu'il a le pouvoir de vous secourir et de vous sortir de là, alors vous remettez tout votre espoir en lui parce que vous ne pouvez plus rien et que lui peut tout et qu'il peut vous sortir d'une manière miraculeuse que personne ne peut imaginer. Faites le doua de Sayyidina Nuh et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.